les jeunes, un petit peu plus de 13 ans, là, qui vont les lire. Puis souvent, on est surpris de voir que c'est les femmes, là, de peu n'importe quel âge, qui vont s'attarder à ces romans-là, puis qui vont nous en parler comme étant des coups de cœur, et ainsi de suite. Ouais. C'est comme si ça les ramène dans leur adolescence, puis dans leur Tout à premier fait. amour. Quand j'écris un roman, je m'arrête justement à réfléchir qui va le lire. La série qui est le McDade, je m'attendais. Secondaire, cégep. Effectivement, il y en a que c'est ça. Mais il y a beaucoup de mes lectrices qui ont lu, par exemple, Storytelling ou Andy, et vont aller voir ce que j'ai écrit d'autre. Ou ce qui s'est passé dernièrement, il y a une jeune fille qui a acheté un roman de la collection Lipstick et des petites comédies romantiques, l'histoire d'amour d'ado. Et la petite fille avait lisait pas, dans le fond, elle avait 13 ans, mais elle lisait pas beaucoup. Sa mère a quand même acheté ça parce que la libraire l'a recommandé. Elle l'a acheté, puis en 2 jours, elle l'a lu. La famille était en vacances, puis elle dit, ben, tu vas me dire, qu'est-ce que tu lis, toi qui lis jamais? La mère l'a pris. Et c'est la mère qui est allée acheter le tome 2, ensuite elle a acheté Kelly McDade, puis elle a acheté tous mes romans pour adultes ensuite. Là, maintenant, elle s'échange des livres. Ça, je l'avais vraiment pas vu venir comme ça. Alors maintenant, j'y pense. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu d'hommes beaucoup. J'en ai eu quelques-uns et que ça s'en vient pour le prochain. Je veux écrire pour les hommes aussi. Merci.